Bonjour, merci d'être avec nous de nouveau dans votre matinale. Bonjour d'Algérie jusqu'à 10h30 en ce mois de Ramadan. Et oui, on entre dans les derniers jours, hein, malheureusement, de ce mois sacré de Ramadan. Et on va encore une fois en parler. En tout cas, on aura un moment de spiritualité dans quelques instants avec notre invité, monsieur Mohamed Atbi, fidèle à lui-même. On le retrouve chaque lundi depuis le début de ce mois de Ramadan pour continuer à parler aujourd'hui des spécificités du soufisme. Si vous étiez avec nous la semaine dernière et celle d'avant, eh bien, il avait commencé à développer plusieurs points fort intéressants. Eh bien, ce sera le cas aujourd'hui. On essaiera de clore ce chapitre des spécificités du soufisme, même s'il reste tellement, tellement de choses à dire. Eh bien, monsieur Atbi essaiera d'en faire un résumé. Et tout de suite, eh bien, on va entamer cette émission avec la rubrique soufisme que vous retrouvez depuis le début de ce mois de Ramadan, tous les lundis, avec bien sûr Mohamed Atbi, je le rappelle, qui était avec nous déjà l'année dernière, durant le mois de Ramadan. Bonjour, monsieur Atbi. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Ouais, ouais. Alors, aujourd'hui, on continue à parler donc des spécificités du soufisme. On fait déjà un petit rappel de ce dont vous avez parlé la semaine dernière, puisque vous avez développé plusieurs points. J'ai commencé à parler de certaines notions tirées du Coran, pour ensuite, j'espère aujourd'hui, finir avec des notions tirées de la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on a commencé par la notion de malakout, c'est-à-dire l'aspect lumineux de chaque chose. Après, on a parlé d'un des noms divins, d'un des bons noms divins qui est Al-Latif. Et puis, on a parlé de la notion de science infuse, ou l'ilm al-laduni. On a donné l'exemple de la rencontre de Sidna Moussa, Moïse, et Josué, Sidna Yusha ibn Nun, avec Sidna al-Khidr, dans la sourate al-Kahf, la caverne. Et maintenant, on va aborder un dernier point qui est tiré du Coran, c'est celui relatif à la connaissance de l'âme humaine, de la connaissance de soi. Voilà. C'est un peu tiré d'un des versets de la sourate Fussilat, du dernier quart du Coran, qui dit en substance, nous leur ferons voir nos cimes sur les horizons et dans leurs âmes. Voilà. Sur les horizons, c'est-à-dire dans la diversité de la création, la pluralité et la diversité de la création, et dans leurs âmes, c'est-à-dire dans l'unité. Parce que quand on connaît Dieu par sa propre connaissance, par la connaissance de sa propre âme, on accède à l'unité. Voilà. Dans cette diversité, il y a l'unité. Bon, c'est quelque chose de... Et là on est exactement dans le cœur du soufisme et dans le cœur d'une science dans le soufisme qui s'appelle la science de l'itinérance spirituelle. Elm seir ou suluk. C'est-à-dire seir, c'est-à-dire marcher, et suluk, prendre une voie. Donc cette science, où nous avons déjà en Algérie plusieurs traités par des soufis, de grands soufis algériens, cette science est le cœur du soufisme, c'est-à-dire que si on rentre dans cette voie de rapprochement vers Dieu, à travers les directives du maître, on passe d'une étape à une étape jusqu'à l'accomplissement. Si il y a un accomplissement ici, et sinon, les maîtres disent aux disciples que pourvu qu'il y ait une sidq, qu'il y ait une bonne niya, quoi, et sidq. Et donc l'accomplissement se fera en partie après l'étape de la mort. Donc il y aura dans le monde du berzakh, le monde intermédiaire, et puis dans le monde de l'éternité. Mais le but étant de s'accomplir dans un accomplissement mahomédien, mohammadi. Voilà. Donc je voudrais citer un texte en vers de Sidi Abdurrahman al-Bashtarzi, qui était l'élève de Sidi Mohammed bin Abdurrahman, le constituteur de la Tariqa Rahmania, où il parle un petit peu de... Ça fait rien que je parle en arabe. Bien sûr, bien sûr. Il dit dans son poème didactique, « des Mandoma Rahmania, « Ya taliban li suluk, wa sa'idan fi sumuk, taqsad maqam al-muluk, sadatina soufiya. » اسقط عنك هذه الحجوب عدها عد محسوب 70,000 منسوب بعد نسبة مولاية.
Il veut dire que si on veut aller dans cette voie, il y a les maîtres de cette science ont dit qu'il y a 70 000 voiles qui nous empêchent d'accéder à l'accomplissement. Et son fils, Sidi Mustafa Bashtazi, qui a écrit le commentaire de ce poème didactique, Al-Minah al-Rabbaniya, il dit que ça veut dire qu'il y a sept parties où sont incluses ces 70 000 voiles. Et dans chaque partie, disons qu'il y a, 10 000. Voilà. Et ces sept parties sont les sept âmes qui sont citées dans le Coran et qui sont connues dans le... La première de ces âmes, c'est Nafs al-Amara bisou. Tout le monde connaît dans la sourate Yusuf où il dit que « Inna nafs al-Amara bisou illa ma rahima rabbi ». C'est-à-dire l'âme qui influe vers la concupiscence, vers prendre les choses sans distinction, sans discernement, sans sagesse, etc. Et ça, c'est la base des bases. Bon, il y a beaucoup à dire sur ça, parce que l'âme étant mélangée avec le corps, elle vient d'un monde différent, et bien sûr sa constitution étant différente, et elle est insufflée dans le corps du fœtus, et là elle prend une autre couleur, si on veut dire, et c'est revenir vers son origine que de suivre cette voie. Voilà, vous voyez la voie du soufisme. Donc après cette étape de la première, Nafs al-Amara bisou, il y a ce que appelle le Coran Nafs al-Lawwama, c'est-à-dire l'âme qui est prompte à s'accuser elle-même. C'est bien de s'accuser chaque fois, de faire le point chaque soir. D'ailleurs, les maîtres dans cette science, parmi les directives à donner aux disciples, c'est chaque soir avant de dormir de repenser toute la journée et repenser, faire le fil de toutes les actions, de ce que j'ai fait, où je suis parti, se remettre en question, et chaque soir que Dieu fait. Et ça, c'est important pour nous donner quand même une conscience, parce qu'on est des êtres humains, on devrait penser à ce que l'on fait, ce que l'on dit, des fois un geste, des fois une manière, un froncement de sourcil, ça peut faire du mal à quelqu'un, etc. Donc on... Dieu a juré par cette nafs al-lawwama. Donc c'est important, cette nafs, elle est belle, cette nafs. Donc c'est le commencement de l'ascension, du changement, du retour au watan. Comme dit le prophète, hubbul watan min al-iman. Le watan, c'est pas la terre, c'est une partie. Mais le watan, d'où l'on vient, d'où l'on est originaire. C'est-à-dire c'est le watan du monde angélique, du monde du Malakout, etc. D'où nous venons en tant qu'âme, pas d'où nous venons en tant que corps, parce que là c'est la terre, etc. Et après il y a une autre étape plus haute, plus virtueuse, c'est Nafs al-Mulhama. Il y a dans Sourate Shams à la fin du Coran, Dieu dit « Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha ». Donc cette âme commence à recevoir l'ilham. Et comme dit notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le wahy ne s'arrête pas. Il continue à travers l'ilham et à travers les songes. Et Dieu dans le Coran, il dit, wa awhayna ila an-nahl, nous avons donné, enfin je ne sais pas comment expliquer ça, les abeilles, ils reçoivent le wahi. Il dit sur la terre par rapport à la sorte zilzila, rabbuka awhalaha, la terre, comment hna, il ne va pas nous yuhilna. Il suffit d'enlever les deux premiers voiles. Les deux premiers voiles, celui de Amr Ammar Abissou et celui de dépasser le nafs le wama pour arriver à ce stade. Et on commence à recevoir donc les ilham, voilà. Vous dites, ça veut dire que, attendez, si je comprends bien, ça veut dire que si on n'a pas passé ces étapes... Si on peut, donc des fois on peut les passer cachepolo périodiquement, mais pas de manière, il y a dans le soufisme ce qu'on appelle l'hal ou le maqam.
L'hal, on peut avoir des fois on passe par un moment très spirituel ou très très profond en soi, et donc il y a un éclaircissement, mais il est suivi par un autre éclaircissement, etc., jusqu'à si on continue dans la voie, c'est-à-dire si on entend, si on a des signes, chacun de nous il reçoit des signes, ce ne sont pas des choses pour qu'il s'arrête sur ça. Il faudrait qu'il comprenne de Dieu qu'il faut qu'il continue dans cette voie, hein, et il recevra un autre hal, hein, comme on dit dans l'Aqsaïd, etc., d'un autre hal, un autre hal, jusqu'à ce que ça devienne stable chez lui, c'est-à-dire ça lui appartient ce hal. Il devient un maqam, c'est-à-dire un statut, il est à lui, il a accompli cette. Et D'accord. donc, l'ilham, il peut être, tout le monde peut avoir l'ilham, il suffit de faire un beau geste, ou bien penser, ou avoir quelque chose de propre dans son cœur, etc. Yinfi, hein. Voilà. Donc, après cette étape de cette âme inspirée, hein, c'est l'inspiration, hein, cette âme inspirée, il y a une nefs al-mutma'inna, ou l'âme rassérénée. Et dans le Coran aussi, à la fin de sorte le fait, Dieu dit, Ya ayyuha nafsul mutma'inna, arji'i ila rabbiki. Cet il vient par l'obéissance à Dieu, par le fait ce ilham qui devient un maqam, etc. Et on accède à cette paix, à ce calme, etc. Par le dhikr, par la discipline et par le muhasaba, par le fait de se remettre en cause, etc. Et ce fait de se remettre en cause ne s'arrête pas. Hein? Même le prophète, il se remet en cause. D'ailleurs, enfin, parce qu'on est envers Dieu. Il faut savoir avec qui on est. Voilà, et c'est les prophètes qui savent avec qui ils sont, plus que tous les autres. Donc après cette nefs il y a le nefs radia. D'ailleurs, dans le même verset de sourate al-Fajr, celui qui vient après, il parle arji'i ila rabbiki radiyatan. Radiyatan, c'est le nefs radia, l'âme agréée. Et là, je voudrais passer. Cette âme agréée, elle a tendance à voir les choses dans leur beauté, dans leur aspect positif. Comme disent les Français, il faut voir l'aspect rempli du verre et non pas le côté vide du verre. C'est-à-dire qu'ils sont toujours positifs. Quand ils voient le khalq, Allah, quand ils les voient positivement, ils ne voient pas l'ayoub. Hein? Et là, le grand imam Shafi'i, il a un vers, il a dans une poésie qu'on lui attribue, il dit en arabe, Aïn rida, an kulli aïbin kalilatun. Aïn ta rida, celle qui est radia, mais elle ne voit pas les vicissitudes chez les autres, voilà. Sauf chez elle. Walakin aïn mais là, l'œil de la de sorte quand on est en colère contre tout le monde, contre soi-même, etc., elle dit qu'elle a tendance à faire sortir les défauts, hein, chez les autres, bien sûr. Voilà. Donc, C'est-à-dire, il faut éviter. et bien sûr, il faut accéder pour éviter ça, hein, il faut accéder dans le développement de la connaissance de soi vers le retour. Un autre point de départ. C'est un exercice très difficile, hein, que vous êtes en train de Oui, dire. la connaissance de l'âme et la nefs. En arabe, il y a le nefs et il y a le rohain. Vous savez, il y a des nuances là. La connaissance de nefs et la mujahada. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec sahaba d'une guerre sainte, de défensive, hein, il leur a dit. Raja'na min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar. Nous sommes venus de l'effort, le grand effort, le jihad, du petit effort vers le grand effort. Et le grand effort, c'est la connaissance de soi. Et dans ce sens, notre nefs, c'est notre plus grand ennemi. Les maîtres spirituels, ils disent que nefs, elle est plus vile que 70 Satan.
nafsu akhbat min shab'ina shaytan. Voilà. Parce qu'elle nous pousse, si on doit la nahdbouha, etc., on lui donne une éducation, etc., elle devient toute lumière et on accomplit notre humanité. Après la magréye, il y a dans le même verset, arji ila rabbiki radiyatan mordiya. Mordiya, c'est-à-dire agréante, elle devient agréante. Et comme dit le Coran ailleurs, en parlant d'une partie des musulmans, radiyallahu anhum wa radu anha. Il faut que souvent dans notre vie actuelle, on trouve que les gens ne sont pas, ils agréent pas ce que Dieu leur donne. Même s'il leur donne tous les bienfaits du monde, ils ne sont pas contents. On n'est pas contents. L'être humain est rebelle envers Dieu et envers lui-même. Ça ne sert à rien. Et maintenant, ce ne sont pas, par exemple, le pauvre qui est rebelle. Non, c'est le riche qui est rebelle. Il n'est pas content. Parce que Dieu lui a donné ses bienfaits. Par contre, Amma bi ni'mati rabbika fa haddith. Et ce que disent les savants, Shukru Sayyid Qaid al-Mawjoud wa Sayyid al-Mafqoud. Si on dit merci à Dieu chaque fois qu'on dit Alhamdulillah par le cœur et les lisan, c'est ce qu'on a comme bienfait, on va les garder, et ce qu'on n'a pas encore, on va les chasser, on va les avoir. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, on n'est pas content de Dieu. Dès le matin, on sort avec on est en colère, etc. On cherche à se bagarrer. Parce que chercher la petite bête aux gens, c'est chercher la petite bête à Dieu. Parce que Dieu est dans les gens. Il n'est pas ailleurs, il est loin, et puis il y a les gens. Non, Dieu est dans les gens, et dans toute la création. Donc, c'est un peu maladroit de faire ça. Parce que si, par exemple, dans un hadith Qudsi, Dieu dit à un de ses ibad, un de ses esclaves, il lui dit, pourquoi j'ai été malade et tu ne m'as pas fait une visite? Comment Dieu, tu es malade? Mais il lui dit, non, mais c'est Abdi Foulan, un tel qui était malade, tu ne lui as pas rendu visite. Vous voyez, il donne plusieurs exemples comme ça. C'est dire que Dieu est dans la création, il est là. Donc si on veut, par exemple, si on est grand, on se sent plus fort que les autres, takabur, je ne sais pas comment on appelle ça, et bien quand on peut pas takabur à l'arbi, mais on peut takabur à l'ibad arbi. Quand on fait takabur à l'ibad, alors on takabur à l'arbi. C'est ça la chose, c'est ça le plus grave. Donc on arrive à cette nefs al-mardiya, et Dieu dit, c'est bon de parler de ces exemples que sont les élèves du prophète, les élèves, parce que le prophète a réussi à donner des exemples humains dans avec sa bonté intérieure. Et Dieu dit, dans la sorte Tauba d'ailleurs, c'est important, le nom de la وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانِ. Avec beauté, on le suit, le premier djil, avec beauté, بِإِحْسَانِ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Après cette sixième nefs, on accède le nefs al-kamila. Voilà. Sidi Abdelrahman al-Bashlarzi, qui était un très grand saint, il revient dans sa qasida, dans son rajouz, c'est des vers didactiques, ce que veut dire nafsul kamila. Il dit, tarja nafsuka kamilatan lil fada'il shamila. Elle englobe toutes les vertus. An siwahu khamila tatlab rida moulaya. Il n'y a plus d'attachement maladif à un autre que Dieu. Il y a un attachement, c'est vrai, on donne importance à toute chose, mais on s'attache à Dieu dans ces choses. C'est-à-dire quand je vois mon autrui, je vois Dieu en lui et je m'attache à lui à travers Dieu, et non pas comme un voile qui m'empêche de voir Dieu.
تفنى عن كل الأغيار. الأغيار سبب دير غير الله من جهة ممكن غير الله. والأكوان الكلية تتجلى لك الصفات والأسماء السانيات تستغرق في العبادات جوارح وقلبية. يعني يولي يدوفيان كومبليتمون ابسوربي تستغرق يعني بار لي زاكت دو بيتي يعني جوارح وقلبية تصير محل الشفاء لطيفتك الإخفاء. أنت تشفي الناس يعني أنت هو الدواء تاع الناس. وعلاش؟ باسكو أون دوفيان لو ميديكامون. كونت أون دوفيان بيان كونت أون نو فوا أن أمي أون فيان فيزيتي أن أمي أون كونت كالكان أون لوي دون لا باي أون لوي دون لا غيريزون دو تو سكو لون روسوا كوم مالادي أ ترافيغ لي كومبورتومون إكسيتيرا. Voilà. On va clore. On va clore. Et puis, merci. Allez-y, pour clore. Bon, je voulais parler, donc, résumé, pour en ayant fini de parler de spécificité du Coran. Je voulais parler du hadith Jibril, là où Jibril vient au prophète en présence de ses sahaba. Et il lui dit qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que l'iman et qu'est-ce que l'ihsan. Et le prophète dit l'ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Et c'est ce ihsan que représente le soufisme. Et c'est exactement dans la période du wahy, ça s'appelait l'ihsan. Et après la période de l'écriture des sciences islamiques, on a décidé de l'appeler soufisme à cause de Ahl Sofa qui sont des sahaba qui vivaient dans cette maison attenante et collée à la mosquée du prophète qui s'appelle As-Soffa. Et là où il y avait plein de grands sahabis, très très grands sahabis, mais qui étaient dans le dénuement et dans cette, je peux citer plein d'autres. Il y a aussi le fait que comment le prophète a initié l'imam Ali. Quand il lui a dit, donne-moi quelque chose de spécifique pour moi. Il lui a dit, la ilaha illallah. Il lui dit, tout, nous sommes tous, on dit tous, la ilaha illallah. Il lui dit, non, ferme tes yeux et répète après moi, je vais dire trois fois, entends-moi, écoute-moi. Je vais dire trois fois, la ilaha illallah, et tu m'écouteras, et après moi, tu diras, la ilaha illallah, trois fois à haute voix. Et c'est comme ça que l'imam Ali a été initié, et il dit, il dit que j'ai accédé à des sciences infinies avec ce telqin. Et la troisième chose, hadith min adali waliyin. C'est un hadith Qudusi, où il dit celui qui prend comme ennemi un de mes amis, awliya, je lui déclare la guerre, etc. À la fin, il dit, s'il devient, moi, je l'aime, je vais l'aimer, et quand je vais l'aimer, je deviens son ouïe avec laquelle il entend, son œil avec lequel il regarde, etc. Donc il y a la fusion entre Dieu donne à cette... Ce sont là les quelques notions que je voulais tirer et dire pour dire à nos concitoyens que le soufisme, c'est le cœur de l'islam. C'est vraiment le cœur. Vous prenez une orange, vous la découpez en deux, et vous voyez le soufisme, c'est le dakhl kamel. Tout ça, c'est ce qu'on mange. C'est nécessaire qu'une orange ait qashra, et c'est nécessaire pour elle, c'est beau, etc. Comme la prière, c'est beau, etc. Mais la prière, sans qu'il y ait à l'intérieur un jus ou la, ce n'est pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Hatibi, d'avoir été avec nous. Franchement, c'était de très, très beaux moments en votre compagnie. Et à chaque fois, je suis émue quand vous passez avec moi parce que vous arrivez à nous transmettre. C'est incroyable. Hein? J'espère que vous reviendrez juste après et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci. Merci. Allez, tout de suite.